Bonjour, bonne rediffusion à vos YouTube, bienvenue. On continue. Waouh, je savais pas que mamie était comme ça. C'est... Personne ne va jamais me croire. Explorer le grenier. Un sticker. La cassette et... Attends. Cette fois-ci, je prends le mot avant parce que sinon, je vais encore... Alors... La rémission. Ça enregistre. Alors, Edouard, dis-nous comment tu te sens. Fatigué, mais soulagé. Fatigué parce qu'on a passé les 4 dernières heures à écouter la docteure la plus ennuyeuse du monde. Et soulagé parce qu'elle nous a annoncé une bonne nouvelle. Enfin. Rémission totale. Rémission totale. Totale. Complète. Ce qui veut dire que l'on peut organiser Noël pour avoir Mimi avec nous. Ce serait merveilleux. Tu peux arrêter le magnétophone? Pourquoi? Je me sens pas bien. Tu peux arrêter la voiture, s'il te plaît. Bien sûr, mon chéri. Je vais vomir. Pas cool pour papy. Un trésor. Regarde ça, comme un vrai train. Non, encore mieux. C'est quoi ce truc? Yes. On a trouvé l'enregistreur. Oh, je peux enregistrer du son avec ça, c'est très moderne. Je pourrais peut-être enregistrer le train. Charmant, j'aimerais rentrer à la maison en train. Je devrais prendre une photo tant que j'y suis. Bon bah du coup on prend des photos. Le petit train il va passer là. Ok. Bon, et tout, petit train. Cet endroit est très particulier. Ton grand-père et moi nous en servions pour nous exprimer. Depuis sa mort, je l'ai gardé pour moi toute seule. C'est un peu comme un temple, si tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas très sain, je crois. Les lieux, les objets, ils devraient avoir plusieurs vies, tout comme ce magnétophone que tu as trouvé. J'aurais dû demander. Peut-être, mais il est à toi maintenant. Est-ce que tu voudrais venir m'aider à réparer le kayak? Oui! Oui, allez, on va réparer le kayak, mamie. Les objets,
devrait avoir plusieurs vies. Bientôt, je kayakerai. Kayaker, ça existe comme verbe? Ça fait quelques jours, mais elle va bien. Papy, merci pour tous ces outils. Prête, Mimi? Je crois que oui. Viens ici et réparons ce kayak. Une nouvelle cassette. Mimi, reporter extraordinaire. Je suis actuellement dans la cave pour poser une question à ma grand-mère. Oh, une journaliste. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mamie, qu'est-ce qu'un translatoire? Un transplantoire. Ah, un transplantoire est une petite pelle. Une pelle à main, si vous voulez. Celui-là a une drôle d'histoire, d'ailleurs. Ton grand-père l'a acheté et dès le premier jour l'a perdu. Il est resté enterré 6 mois dans le sol. Comment l'avez-vous retrouvé? Eh bien, il préparait un carré de potager avec mon transplantoire quand il est tombé sur celui qu'il avait acheté. Quelle histoire! Merci, mamie. C'était Mimi, reporter extraordinaire. Un mètre plus. Nous allons commencer par réparer ces trous. Il ne faudrait pas que tu te noies. Non. Alors. Pour mettre de la colle. Comment on fait ça bien? Parce que sinon on va se noyer. Il manque un bout de colle. Hein. Pas sûr qu'en mettant juste de la super glue, ça colle assez pour réparer un kayak. Ouais, tu es prêt à faire tout ça, maman? Elle est pas douée pour se servir d'outils. Ça me plaît, c'est tout. Enfin, quelqu'un vient-tu t'apprendre comment bricoler? J'aime pas dépendre de quiconque, alors j'ai appris toute seule. J'aimerais devenir comme toi plus tard. Et moi, j'espère que tu deviendras toi-même, chérie. Peignons ce bateau. Le peindre? Bien sûr, c'est le tien. Il faut qu'il porte tes couleurs, ton style. Faut plus de peinture, ma chérie. Parfois, j'aimerais pouvoir simplement recoller les gens entre eux. Comme papy et papa? Oui. Comme oui.
Mais c'est trop tard maintenant, et rien et personne peut y faire grand chose. C'est ainsi. Il est prêt, emportons-le à la rivière. Cool, où est-ce qu'on va? Il y a une petite plage un peu plus loin. Tu ne peux pas la manquer. Une plage? Reste stable sur le bateau. La Dordogne est une rivière très calme. Mais on ne sait jamais. Oui, c'est promis. Ouais, mais ça, c'est déjà les photos qu'on a déjà prises. On va essayer pas de noyer mamie, hein. On peut pas ramasser le nymphéa là. Bon, je crois que c'était pas une bonne idée d'aller chercher le nymphéa. J'adore le reflet de l'eau. Alors maintenant, passons à la météo dans le sud-ouest. Il fera encore chaud jusqu'à la fin de la semaine, avec des températures pouvant monter jusqu'à 36 degrés. Alors, profitez-en, parce qu'une dépression venue d'Angleterre va arriver dans quelques jours. Ah, on est bien. Oh, ça oui. On est bien. Tu avais raison, mamie. La sieste, ça fait du bien. Un bien fou. Mais j'ai envie d'aller explorer. Allez, debout! C'était dur de se lever. Yes. Hop, 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 hop. Oh non! Il faut qu'on ramasse tout ça. Tu peux m'aider, Mimi? Bien sûr. Voyons si on a tout récupéré. Il nous manque des couverts. Peut-être qu'ils sont dans l'eau. Tu vas aller voir? L'eau est trop froide pour mes vieux os, chérie.
comme toujours. D'accord, j'y vais, c'est bon. Hop là! Il faut deux fourchettes, deux cuillères et un couteau. Attends, il y a un truc qui me parle bizarre là. Ah non, c'est genre, attends, je t'emmène jusque là-bas. Ok, d'accord. Youhou! L'eau est vraiment bonne, tant pis pour elle. Tu veux pas la ramasser la pièce là? Tu trouves? Oui, un instant. Il y a un truc là. Et des grenouilles. On peut pas attraper le petit poisson. Coucou monsieur coach, bienvenue. Alors, je crois que j'ai trouvé nos affaires. Tu as tout? Je crois, oui. Comment tu vas, coach? Donc, tu sois déjà reparti dans ton lurk? Allez, viens, on rentre à la maison. Je vais aller préparer le kayak. Pas de soucis. Je crois que j'ai vu quelque chose dans la forêt. Je peux aller voir? Ce n'était sans doute qu'un chat, mais vas-y, pas de problème. Fais-toi plaisir. Merci. Merci, mamie. Continue ta sieste. On va pas y aller à poil non plus. Yay!
Hop, on va continuer à grimper. Non mais un coup sur le gamin. On fait ça jusqu'à sa gamelle là. Tu veux pas sauter voir mamie, non? Après on aura plus de jus. Incroyable. Je redescends dans un petit coin, mais on peut pas. Je peux avoir le mot là? Non, je peux pas avoir le mot. Du coup, c'est pas le mot qui manque. Mais c'est... Waouh! Super beau. Faudrait que je prenne une photo. Qu'est-ce que tu fais là? C'est chez moi, ici. Interdit d'accès. Mais t'es le voleur du marché, toi. Je suis pas un voleur. Redis jamais ça. J'emprunte, c'est tout. Tu empruntes? Vraiment? Je leur rendrai leurs affaires, avec des intérêts, quand j'aurai trouvé le trésor du coulobre. Le coulobre? Un dragon géant, qui dort au fond de la Dordogne. Il surveille un immense trésor. De quoi rembourser les gens du marché, bien sûr. Assez pour être apprécié de tout le monde, tu verras.
Tu penses que t'as besoin d'aide? Pour trouver le trésor, je veux dire. De l'aide? Tu viens de la ville, c'est ça? Comment une fille de la ville pourrait m'aider à trouver le coulobre? Je suis une aventurière! Ha! Me fais pas rire. Si j'étais pas une aventurière, je serais sûrement pas montée ici toute seule. D'accord. D'accord. Il faudrait peut-être que je te teste. Me tester? Il y a une énigme là-dedans. Si tu la résous, je verrai si t'es digne de confiance, citadine. Mais d'abord, attrape! Qu'est-ce que... Mimi, tout va bien? Oui, oui, ça va. Mais pourquoi t'as fait... Il est plus là. On se retrouve dans mon antre secret demain, si tu résous mon énigme. Tu vas voir si je suis pas une aventurière. Oh là là, elle est en pétard là, Mimi. Il me faut ce sac, vite. Allez hop, on retourne dans l'eau. Rejoins-moi sur la plage et profite-en pour te rhabiller au passage. Oui, mamie. On part bientôt? Oui, c'est l'heure de rentrer. Que faisais-tu là-bas? De l'escalade, mamie. J'ai escaladé, j'ai sauté, c'était effrayant. Pas trop quand même, j'espère. Alors, comment as-tu trouvé ce petit coin de plage? Mignon, pas vrai? Sauvage. Super, mais sauvage. Sauvage? Il se passe jamais rien de grave sur la Dornade, chérie. Tu sais, nous venions ici souvent avec ton grand-père et ton père. Il me manque, c'est dingue, mais il me manque. Dis pas dingue, et je crois que je comprends ce que tu veux dire. Ton père est un... Tu sais quoi? Profitons de ce moment ensemble. On rentre à la maison, d'accord? Ouais, je suis fatiguée moi aussi. Super! Bon, ça va, mamie, t'as pas trop le mal de mer avec moi. Je pagaille bien. J'ai obligé à t'acheter des œufs pour ce soir. Je vais en chercher chez le voisin, je reviens. Qu'est-ce que tu vas faire pendant ce temps? J'ai envie de m'occuper de mon classeur. Très bonne idée, chérie. Maintenant que je suis toute seule, voyons voir ce que ce sale voleur attend de moi. Bon, c'est quoi cette énigme? Tu veux que je trouve? Alors...
Alors... Sortons tout. Des instructions. Des autocollants. Et un plan. Qui vont dans, sans doute avec cette carte. D'abord, lire son petit mot. Étape 1, mets les autocollants au bon endroit. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça, c'est mamie? C'est ça que tu veux me dire? Et la maison de mamie, c'est là? Ok. Attends, mais il y a les dessins pour t'aider un peu, non? Ça, c'est sur le château. Ok. Ok. Le bateau, il est sur la rivière. Ok. Et tes cailloux, là? Et lui, il est là, du coup. Ok. Voilà. Ensuite, relis certains autocollants et révèle mon repère là où les lignes se croisent. Première ligne, les cailloux ne peuvent pas voler. Donc les cailloux et voler. C'est ça comme c'est ça qu'il faut faire. Deuxième ligne, traverse le pont et tu trouveras ma maison. Donc le pont est maison, c'est ça sa maison. Mais... C'est trouvé, petit voleur. Entourer là où les lignes se croisent. C'est ça. Facile, un bébé pour résoudre cette énigme. Maintenant, il faut que je prévienne le voleur que j'ai réussi. Je devrais monter au sommet de l'arbre et tenter de l'appeler. On avait fouillé par là tout à l'heure. Il faudrait que j'aille fouiller où il y a le truc des chats. Il n'y a rien à faire ici. Je sais pas si à chaque fois je dois retourner dans les endroits pour retrouver les autocollants et tout. J'ai lu sur ce banc. Plutôt rafraîchissant en été. Pas très doué pour... Ah, pas très doué. Arrête de bouger. Je vais peut-être passer à la souris, là. Le joystick, j'y arrive pas.
Je t'avais dit que j'étais une aventurière. Bon, bien joué. Je serai là demain, on pourra parler du couloir. Trop cool. À demain alors. Bon. Bien, désormais je sais où aller demain. Il faut descendre maintenant. Mieux vaut cacher la carte ici et après j'irai faire ma page de classeur. Alors, on va faire ma page aujourd'hui, chapitre 4. Alors il manque hauteur, ça c'est sûr et certain, je sais où il est. Secret enfoui, j'entends bien. Secret enfoui, enterré par milliers. Rivière sauvage et accueillante. Incroyable, peut-être. Ouais, elle est incroyable. Incroyable, mes yeux sourient encore. On n'a pas pris grand chose en photo. Hein. Je préfère celle-là. Et on a un bruit du train. Bah. On n'a pas le choix. Hein. Bonne idée. Mimi, on mange. J'arrive. Quelle journée, waouh. Les grottes. Je suis sûre que Nora l'a laissé exactement là où il était. Explorer dans le jardin. C'est qui encore? Pensez dans le métro, j'en peux plus de cette ville. Je rêve de traîner dans ta jolie petite maison de Dordogne. Attends, c'est ta maison maintenant? Je vais pas tarder à le découvrir. Par contre, si c'est papa, on l'envoie, on lui répond pas, il y en a marre. Il arrête pas de grogner, il nous enquiquine. Je vais revenir et je refais toutes les pièces ou pas à chaque fois. On peut pas grandir si on ne prend pas, se rend pas compte. Ah, on peut pas grandir si on ne se rend pas compte de nos erreurs parce que cet endroit est unique. Les matins doivent être spectaculaires en direct depuis ce lit. Qu'est-ce que tu couines avec tes baskets, toi? J'ai lu pas mal de ces livres. Peut-être que nous lisions en parallèle.
sans savoir que l'autre lisait la même chose. J'aime cette idée, connectée à travers les mots et les histoires. Va falloir mettre de l'huile dans tes baskets, hein. Je suis sûre qu'un bain ici serait divin, mais c'est pour plus tard. L'ire aux toilettes est un vrai luxe. Quel petit coin d'ouïe. Une photo de Nora dans les années 70. Et c'est moi dans ses bras. Qu'est-ce que j'étais laide, petite. Mamie adorait cet endroit pour bouquiner, surtout quand il faisait trop chaud dehors. J'imagine que mamie l'utilisait pour voir les VHS. Elle adorait les vieux films. Bon. Je me rappelle de la tisane qu'elle préparait. Parfum sucré, goût amer, quel délice. Confiture, sauce, une sorte de pâté. Oh, ok, ça m'a donné faim. Allez, hop, on va fouiller dans le jardin. On va fouiller tout là. Elena. Rentre s'il te plaît, j'aimerais que tu sois heureuse. Je t'aime. C'est qui? C'est ta mère ça? Alors quitte la maison pour moi. Non. Non. J'aime bien la maison à mamie, là. Les étoiles, la poésie, les questions. Cette âme me rappelle tout ça. Elle s'en est occupée récemment, ou bien quelqu'un l'a fait pour elle. Avec toutes ces graines oubliées, un jour quelque chose de beau va sortir de là-dessous. Tup 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 tup. Ça, c'est des tomates, ou bien c'était. J'aimerais avoir mes propres tomates. Mais t'as qu'à garder la maison et faire pousser tes tomates, hein. Il est où le monstre? On l'a pas revu le monstre. Mamie a adoré cet endroit, ça me revient. Retirez le bocal. Encore là. Coucou.
Coucou Manuela. Je m'appelle Mimi, j'ai 7 ans et je t'écris depuis ce jardin de ma grand-mère, Nora. Elle m'a dit qu'elle allait traduire ma lettre en espagnol, une langue que tu comprends. Moi, je parle que le français, même si mon père a très envie de partir vivre quelque part loin de Paris, parce que la ville le rend fou. Des fois, il crie sur les autres conducteurs, et moi, je trouve ça toujours très drôle. Ma grand-mère Nora dit qu'elle connaît tes parents et que vous viviez à Mexico, une ville très colorée. J'aimerais beaucoup visiter une autre ville que Paris ou que Sarlat. J'adore que ta ville ait un X dedans, car c'est une lettre de l'alphabet que j'adore. Je dois te laisser, on doit aller visiter une grotte, il y a des dessins très vieux, mon père adore tout ce qui est très vieux. Sauf peut-être la maison de Nora, peut-être que mon papa n'aime pas trop les maisons. À très bientôt, Mimi, tout le monde m'appelle comme ça. Hop, une lettre de plus. Le bonhomme pomme des pins. Oh, on l'avait fabriqué ensemble avec Nora. Ça me rappelle quelque chose. Il doit y avoir quelque chose d'intéressant ici. Oh! Le couleuvre. Mamie devrait déjà m'avoir appelé. Où est-elle? J'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Merci de le demander. Tu parles à l'arbre, là, dans le... On a dit qu'on allait toujours aux toilettes, quand même. Dans la salle de bain. Et on se lave toujours pas les mains. C'est mieux. Non, c'est ça. On se lève toujours pas les mains. Oh, on dirait que mamie est en bas. T'es sûr qu'elle est en bas parce que là j'entends ronfler mamie. C'est fermé. Ah, maintenant on peut y aller quand on veut. Mamie, elle ferme plus. Par contre, que tu sois adulte ou pas, tes baskets à couilles, non? Ça doit être la mode chez toi. Parce que là, c'est clairement pas des bruits de parquet. Hein. Une nouvelle cassette. Mimi, le goûter. Et re-salut! C'est Mimi, votre reporter extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe? Mamie, on voulait avoir une discussion avec vous sur un sujet difficile. Un sujet difficile? Oui, le peuple de France veut savoir. Savoir quoi? Mimi, je dormais. Il est 16h, c'est l'heure du goûter. Où sont les biscuits? Les biscuits? Des biscuits ont été promis. Ça, c'est de l'excellent journalisme. Me réveiller pendant ma sieste et hurler dans mes oreilles? Mamie! Très bien, très bien. Allons faire des biscuits. En route pour la cuisine. Et pose ce micro, je vais avoir besoin de toi pendant la préparation. C'était Mimi, reporter extraordinaire, qui a encore résolu une crise de goûter pour la France. Mimi! J'arrive!
On dirait que c'est Terali qui a fait la cassette. Oh, Terali, comme tu es là. Oh, comme que c'est bizarre. Coucou, toi. Troisième semaine déjà. Et qu'elle dort, il vaut mieux pas la déranger. Des photos qui datent d'avant ma naissance, ça me donne un coup de vieux. Alors. J'ai toujours pas me donner ce papier-là. Hein. La tarte qu'on a préparée hier soir était délicieuse. Je sais que maman aura adoré. Le cellier, ce petit coin de la cuisine me fait toujours aussi peur. Mais du coup, on fait quoi? On réveille mamie ou pas? Elle s'est sans doute endormie en lisant cet énorme bouquin qu'elle a tout le temps avec elle. Bon, c'est l'heure d'y aller. On est resté tard à regarder un film sur les Russes hier soir. Mamie avait lu le livre, alors elle a rouspété tout le temps. Mais je peux pas prendre une photo de mamie, là. Mais ça va, Terali, ça ronfle, toi. Avant de partir, je laisserai une photo à mamie, histoire qu'elle garde un souvenir de cet été. Je peux même pas prendre une photo de mamie. J'aime bien lire ici avec mamie. Allez, on refait le tour. On essaie de pas trop traîner non plus. Bon, le kayak, il a pas l'air là. Il est encore dans l'eau, peut-être. Peut-être que mamie pourrait transformer cet abri en serre. Hein. Peut-être. La sauge, elle pousse bien. J'espère que tu vas bien, petite plante. Faudra que je demande à mamie des conseils de jardinage. Je veux mon propre jardin aux USA. Plutôt pratique pour une partie de cache-cache ou une chasse au trésor. Je crois me rappeler que papy et mamie venaient s'asseoir ici avec moi. Ça ronfle aussi, toi. Bon, à chaque fois, je reviens là, mais ça bouge pas trop. Hein. Par contre, ouais, je veux bien que mamie te laisse aller gambader dans la nature quand tu veux. Mais tu ne devrais pas juste lui laisser un petit mot, mamie, je me casse.
Je vais faire le clown sur la rivière. Il va y arriver des bricoles, cette gamine, un de ces jours. Marc, il a dû y en arriver vu que le kayak, il est tout cassé. Attends, je peux faire ça maintenant. Trop bien. Bon, allez, ça suffit. Bon, allons mourir avec le kayak. Non, bon, allez. J'étais vraiment pas tout de suite, insouciante. Hein. Partie à la rencontre d'un voleur de 10 ans. J'ai l'impression de me rappeler la vie de quelqu'un d'autre. Par contre... Du coup, attends, je peux faire ça, là. Allez, je pense que, à mon avis, je vais louper pas mal de sons, de trucs, de machins. On va faire ça. On y va en bateau Non, oui, je sais pas.
Allez. Non, ça fait rien de passer ailleurs. C'est ici, j'en suis sûre. Je vois rien. Je vais devoir éclairer le chemin. Trouver un moyen d'éclairer dans les galeries. Et si on réfléchissait au moyen d'éclairer dans la galerie pendant la pause? Merci de nous avoir regardé YouTube. À bientôt. Prenez soin de vous. Des bisous. Bye bye.